Ryo, c'est Gensho et c'est reparti. Je vais faire la mission 6. Donc voilà. Donc c'est parti, allons voir qu'est-ce qu'on a à faire. Alors, on va voir. Mission spéciale. On va faire comme ça. Ah, je sais pas ce que c'est que celle-là. J'ai une mission spéciale, ouais, ça doit être ça. Et vous dites que nos agences de renseignement étaient tellement compromises qu'elles on doit n'ont pas infiltrer remarqué qu'une importante usine de traitement base, quoi. d'armes chimiques Voilà, opérait en QG. pleine ville, en plein Londres. Comprenez, monsieur le Premier ministre, Sadiq travaillait pour nous, pour le MI6. Nous pensions avoir tout nettoyé après sa détection. Pourriez-vous être un peu plus précis, je vous Wow. prie? Nous avons mis à l'écart tous ses collaborateurs. Nous en avons renvoyé 6 et nous en avons mis 4 sous surveillance avant d'en renvoyer un autre. Nous avons mis en place des contre-mesures électroniques et nous avons bien sûr désactivé tous ces accès. Qui plus est, et malgré... Donc c'est parti. L'Iran n'ouvre pas ses portes, on s'en cogne. Bam bam, on leur défonce leur... ils mentent tous. Encore une fois, les Américains crient au terrorisme. Rappelez-moi ce qu'on vient de faire. On a trouvé des documents, mais aucun lien entre l'Iran et la Blacklist. J'ai pas l'impression que les détails les intéressent. Même si ces documents sont faux, le Congrès veut du sang iranien. Caldwell devra déclencher une guerre si on lui donne pas un autre choix. Waouh. Ça veut dire qu'on en a pas? Non. On a ça. Notre ancienne ambassade en Iran, c'est pas... le QG des Alcoz maintenant? C'est une EP un peu risquée pour Caldwell. Ce n'est pas la sienne. C'est la mienne. Waouh. Et quoi? On va rien lui dire, c'est ça? On cache cette petite virée à la présidente des États-Unis, c'est ça le plan? C'est risqué, Grimm. Même pour nous. C'est le seul moyen d'empêcher une guerre. Ou de la déclencher. Et hop, c'est parti. On part pour Téhéran. Il faut agir vite. Personne, même chez nous, ne doit s'apercevoir de rien. Je crois que je vais être malade. Reste concentré. Est-ce qu'on peut envoyer un drone sans qu'il nous attaque? J'ai corrigé la faille que les ingénieurs ont exploitée. J'ai ajouté un niveau de sécurité et un mécanisme d'autodestruction. Oui, aurait suffi, Charlie. Et Briggs, tu le veux où? Il est out. Tu comptes y aller seul? Comment on entre? Dis-moi. Pas comment. Avec qui? Je l'envoie sur ta montre terminale. C'est un des bâtiments les plus sécurisés au monde. C'est impossible. Entrer ne sera pas le plus difficile. Mais les serveurs sont totalement isolés. On va devoir extraire les données physiquement. J'envoie leur configuration matérielle sur ton poste. Mais on peut pas... Sois un peu positif, Charlie. Positif. Ouais. Tu devras utiliser des méthodes disruptives pour entrer et sortir du QG de la Alcoz. L'IEM te permettra de surprendre l'ennemi et le trirotor te donnera l'avantage. Alors, une check, ouais. Cool. Ouais, on va acheter ça, tiens. Alors... Ok, je peux avoir atteint Alpha. Ah oui, c'est vrai que j'ai débloqué avec eux. Ouais, ça tu devrais pour les attaques.
Ouais, ça donne pas de trucs en plus. Et ça aussi. Alors, mon arme, pistolet. Ah, ça, je vais pas acheter ça. Parfois, ouais. Bon, ben, c'est parti. Allons-y. Wow. Ça va être dur, tout ça. Ajalekon. Tu es à toi, Ahmar. Il a pris sa pause. Il a pris sa pause. Enchanté, mon général. Je ne parle pas aux espions américains. Même quand ils menacent d'éliminer votre femme et votre fils. C'est votre petite famille qui rentre du marché. Non? Je me demande ce qu'ils ont préparé pour le dîner. Salopard! Respirez à fond et réfléchissez bien. Je dois entrer dans le QG de la Halcons. Vous allez m'aider. Je n'ai rien à voir avec la Blacklist. Votre parole ne suffira pas pour empêcher une guerre. Faites-moi entrer. Mettez ça dans l'oreille. Ok. Je tiens à être clair. Si vous blessez un seul de mes hommes, ma collaboration s'arrête là. Je... Avancez. Bluff a marché. Confirme le go. Go. C'est pour moi? Pour vos patrons américains? C'est pour que vous sachiez que je ne suis pas seul. C'est gentil. Sam, quand tu seras à l'intérieur, trouve les serveurs et branche le disque dur. Il est programmé pour extraire tout ce qu'ils ont sur la Blacklist. Reçu. Tu auras du mal à passer au milieu des gardes, Sam. Ce sera sans doute plus simple de passer au-dessus. Passer au-dessus? C'est la première fois depuis longtemps qu'à l'Amérique. J'adore la nouvelle déco. Ouais, on l'a bien modernisée depuis 79. Je vais occuper le garde à l'entrée. Préparez-vous. Salmos. General, استخدام. امشب اینجا اوضاع آرومه؟ بله قربان، اوضاع مرتبه شد. قبلا با مزاحم ما روبرو شدیم؟ نه جنرال، تصور نمی کنم کسی آنقدر احمق باشه که بخواد وارد اینجا بشه. خودسری رو کنار بذاریم. وقتی آمریکایی‌ها میترسن معلوم نیست بخوان چیکار کنن. بله جنرال، البته حق با شما. سخت نگیر. ولی باید از تاریخ درس بگیری و واسه موفقیت تلاش کنی. اوکی. اگه میخوای از من تشکر کنی تلاش کن که سرباز خوبی باشی. تشکر زبانی لازم امشب کسی از اینجا رد شده سرباز. اشپکس پلا. گزارشی از ماشینایی که به این گاراژ وارد و از اون خارج میشن میخوام. اول صبح باید رو میزم باشه. بله جناب.
شما عادت دارید که در مورد دستوران مأمور ارشاد سوال کنید؟ نه جنرال، متأسفم جنرال. سربازی که وظیفه‌شو نمی‌دونه که باید مراقب کوچکترین نشانهای فعالیت مشکوک باشه. ممکنه یه دفعه مثلا سر از منطقه کردستان در بیاد. متأسفم جنرال، خیلی متأسفم. حتی به احترامی نرسیدم. آموزش تو یا وظیفه تو فراموش نکن. منو می‌فهمی؟ البته جنرال. اگر کاری از دستم برمیاد بهم بگی. گزارش چیزایی که امشب از اینجا عبور کردن رو می‌خوام. نه عجله کن. اجازه بدی شناس کنم جنرال. تو این مرد رو دیدی؟ بله قربان. کی رفت؟ هنوز تو ساختمون جنرال. جالبه. بله جنرال. عجله کن. البته به دیگری احتیاج نداری؟ اگه مهارت های گوش دادن رو یاد بگیری کارت راضی کنم. ببودم متشکرم جنرال. حالا سپارم میکنم. شب بخیر. Je suis au parking général. Attendez-moi au niveau le plus bas. Ok. La dernière phrase du général dans la salle de surveillance ne correspond pas vraiment à son phrasé. C'est peut-être un code. L'IMS indique 37% de probabilité. Sois prudent. Il ne touche aucun ennemi. Waouh. Non bah ça devait être dur, enfin le... Il y a le ton de dos. Wow. C'est presque réconfortant. Je vais me faire opérer là. Attendez, n'allez pas plus loin. Wow. بفرمایید. جنرال قربان شما فرمودید که اینجا بیام. باید با سرهنگ ملوک صحبت کنید. از اون بخواید تا یه نسخه از آخرین گزارش رو به شما بده و اون رو روی میز من بذارید. بعد اونجا نبود. چشم، به من اعتماد کنید. برو. واو. Suivez-moi vite. On doit traverser des zones sous contrôle et ma puce RFID ne désactive les systèmes que durant un temps très court. Pourquoi on passe par les zones les plus surveillées? Parce que vous ne me laissez pas d'autre choix. On doit traverser. Traverser quoi? Les cellules. Où on garde les gens comme vous qui mettent le nez dans nos affaires. Je suis ici pour empêcher une guerre entre nos deux pays. Et pourtant, votre drone est dans l'espace aérien iranien. Parfois, le temps manque pour la négociation. Vous parlez comme un vrai soldat. Il est juste derrière cette porte. Wow. On y est presque. Restez près de moi. Ok. Et ? Un problème ? Un problème ? Je préfère encore voir ma famille mourir, plutôt que de devenir un traître. Là, ce n'est plus du courage, c'est de la bêtise, général. Oh non! Les Américains. Vous croyez avoir inventé le courage? Et ça, c'est l'équipe de nettoyage? Quel nettoyage? Vous courez partout. Vous brandissez vos armes. Vous menacez des innocents. Mais vous êtes impuissant face à la Blacklist. Je vais vous montrer comment traiter les terroristes. Grim, vas-y. Wow. Je sais pas où sont les ennemis. What the hell? Oh putain, c'est chaud.
oubliez-moi les mecs, oubliez-moi. Il y a quelqu'un. Dispersez-vous et trouvez-le. Allez, monte ta gueule, toi. Monte ta gueule, toi. Hard. C'est Polti. Bien joué. Charlie a bien bossé. Il a piraté la sécurité pour couper le courant. Tu as juste le temps d'atteindre les serveurs avant que les systèmes de secours ne prennent le relais. Je vois un ascenseur, mais il est fermé. Il te manque la puce RFID pour passer. Les gardes en ont une. Est-ce qu'on peut voir les trucs? Non. Bon, je t'ai bien compris, on peut tuer les ennemis, donc voilà. Peut-être qu'il monte en haut, lui.
Ouais. Ou pas. Bon, il se limite que là et après il descend. En bas, merde. Bon, au moins, il est mort. Verrier. Ils vont pas là, toi? Toi tu viens par là, pim. Gentil. Oh. Le verrou est récidé sur la porte, t'en as deux. Soit tu suis un garde au moment où il passe. Soit j'en assomme un, je le porte pour passer. Ok. Cool. Ben appelons cet ascenseur, hein. Hop là. Ah oui, là. Sombre. Je vais vers l'étage des serveurs. On en est où? Je surveille leur com. Ils ont appelé des troupes d'intervention. Ils vont passer l'endroit où peine fin, étage par étage. Compris. Charlie, décris-moi la salle de décryptage. Il y a un algorithme de recherche sur le disque que je t'ai donné. Il va trouver et copier tout ce qu'ils ont sur sa disque ou la blacklist. Branche-le et il devrait les donner. Il va savoir. J'ai le tourné, j'ai le tourné. Sam, tu approches de la chambre forte. Tu as deux solutions. Ok, ah bon, discret, tu passes par le système de refroidissement sous la chambre. Bruyant, tu passes par le terminal à l'arrière de la pièce pour pirater la porte. Bon, on va faire là-bas, silence. Faut essayer.
Alors... Ah non, j'ai besoin de lui pour rentrer. Fuck. Reviens, Léon. Reviens. Alors, comment faire pour faire revenir ce petit soldat? Bon, attendre qu'il arrive et le tuer, voilà. Sommet, bon, c'est pas grave, j'ai plutôt tué. Ok. Allez, passons cette porte. Ok. Bon. Maintenant. Waouh. C'est vraiment sécurité là, et je dois rentrer dans ce machin. Bah, se fout de moi, il y a des lasers partout. Moi, je vais m'occuper de savoir ce gars. Merde. Je crois que je vais attendre à ce détour, je pense. On crève là. Bon, je pense que je peux passer vu qu'il y a une... un truc là. Ça va être dur.
Bon, mais je pense que ça suffira pour l'épisode 6-1. Donc là, je vous dis à plus tard pour la suite. Donc voilà. Bye bye, à plus.